Trouble yourself not with the cost of this crusade. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means. On est de retour. Plus de Darkest Dungeon. Alors avant de lancer la vidéo, je fais une équipe. Donc on va aller récupérer... ça, je crois. Non, non, ça. Et j'ai vu qu'il y avait la Toussaint. La Toussaint, c'est quoi? C'est l'église qui est gratuite, je crois. Donc on peut... Enfin bref, on a mis des gens au repos. On aurait dû attendre, techniquement. Bon, c'est pas grave. C'est fait maintenant. Donc la boucle du pistolero, c'est dégâts 20%, précision 15%. Je pense que c'est extrêmement bien pour le bandit. En tout cas, on va aller récupérer ça. Et comme ça, on aura des gens pour le donjon ténébreux. Donc j'ai fait une équipe. Alors ça va être une sorte de test aussi. J'ai fait une équipe. Et c'est ça. Alors, c'est surtout basé sur l'esquive. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. C'est surtout DPS, dans un sens. Et le tank, ce serait le bandit. Il a déjà beaucoup d'évasion, en fait, de base. Donc, ce qui est bien. Et il a des bons dégâts aussi. Et après, je lui ai mis donc le nouveau truc qu'on a récupéré. Donc, esquive plus 15. Et après... Ah, mais attendez... oui, si, on va dans les ruines, ok. On est bon, j'ai cru qu'on n'allait pas dans les ruines. Oui, donc j'ai mis ça pour les impies. Donc voilà, ça peut être, ça devrait être pas mal. Donc on va faire le même système avec le tir à bout portant et tout ça. Après on a Kiaran, donc elle a un peu moins d'esquive, un peu moins d'HP aussi. Mais elle va surtout se mettre en infiltré, en furtivité. Et ça lui donne aussi de l'esquive en fait, quand elle se met en furtivité, donc ça va être cool. Après on a Gwendoline qui a aussi pas mal d'esquive, genre là de base 33. Puis en fait elle en aura 10 de plus, enfin heal. Et on a une antiquaire qui est à 41 d'esquive. Donc voilà. J'ai pensé à mettre la protection, mais je pense que en fait si on... Le mieux c'est de mettre full esquive. Je pense. Et après pour faire tanker, alors même à la limite on a peut-être pas vraiment besoin, mais on fera tanker le bandit. Et en théorie il devrait pas prendre trop cher, il devrait esquiver quasiment tous les coups. Donc voilà, c'est ça le gros jeu. Est-ce qu'on avait des gens à récupérer dans la diligence? Non. Ah oui, on l'a déjà fait. Donc ouais, le gros jeu c'est ça, c'est de faire ça. Et en plus, donc lui il est 5. Oui, bah il n'y a que lui en fait. Mais voilà, on aura encore un nouveau bandit qui est prêt pour le donjon. Après, il faut voir pour l'équipement. Donc, ça. Très bien. Ça nous fait un run aussi un peu argent. Oui, bah on va se débrouiller comme ça. J'ai pas envie de vendre encore plein de breloques en fait. Alors ça. Donc on va camper une fois. Wow, la vache. Putain de merde, il m'a fait peur ce coup. Ok. Ok, et pour dormir, on est bien aussi. On a beaucoup de repérage. Et pour dormir, on a des bons skills. Et on va essayer aussi d'enlever, si on peut, enlever ça, là. Grâce à Kiaran. C'est parti. Je vais peut-être regretter ce que j'ai fait. On va voir. C'est un peu du test en fait.
Oh merde, c'est bon. There is power in symbols. Collect the scattered scraps of faith and give comfort to the masses. On va d'abord aller en bas. Yes, esquive, c'est bien. J'allais dire ça commence bien, mais j'ai vu esquive après. Et en plus, avec la lumière radieuse, on a de l'esquive en plus. Oh la vache, c'est quoi tout ça? Ok, donc là, on met esquive à tout le monde. Ah, tu peux pas faire grand chose, toi, en fait. Y'a personne qui esquive, c'est un truc de fou. Incroyable. Incroyable. Et elle a raté. Oi oi oi. Ça m'a déjà fatigué quoi. Ah mais je peux même plus l'attaquer parce qu'elle est protégée. Oi 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 oi. On va faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a la riposte. J'avais oublié la riposte en fait. Oui, c'est pas mal en fait. Of skill and purpose. Ok. Esquive 66, on avait. Press this advantage. Give them no quarter. Masterfully executed. Ok, est-ce qu'on arriverait à quelque chose de potable? The blood quickens. Merde. Mais par contre, la précision, c'est pas vraiment ça. Faut mettre autre chose sur Gwendoline. Mettre d'autres attaques. On a du soin. Je crois qu'on tient quelque chose. C'est... Faut serrer les fesses. Hein. Faut... Je vais être honnête, faut serrer les fesses quand même. Alors ça. Parce que ça, on peut pas vraiment le faire souvent du coup. Parce qu'on est souvent au premier rang. Vu comment le. En fait, comment le cycle se fait par rapport à la vitesse.
Du coup, Gwendoline ne se retrouve jamais vraiment en 3. C'est plutôt en 2. Quoique... Ah non, ça, putain. Quoique, non. Non, l'autre, elle recule. On se retrouve en 1. En fait. Je sais pas si on a vraiment besoin du soin ou pas. Le soin, il faudrait l'augmenter au niveau 5 et mettre le... Enfin, je crois qu'on en a même pas des objets. C'est ce qui augmente de 50% de soin, là. Ça peut peut-être être intéressant. Gwendoline, je sais pas quoi lui mettre, en fait. Ça, j'ai l'impression que c'est trop... En fait, on le fera jamais. Parce que comment les gens se déplacent, en fait. Gwendoline est plutôt vers l'avant. Marque la cible, dégâts, protection. Dégâts, protection. À la limite, la main abyssale en fait serait intéressante, mais on l'a pas débloqué avec Gwendoline. Bon, ça paraît bien. 77 d'esquive, parce qu'on a encore les buffs. Packs laden with loot are often low on supplies. C'est pas vraiment le bon endroit aussi pour prendre une antiquaire parce que on doit récupérer des objets, donc c'est un peu débile aussi. J'aime bien faire des trucs débiles apparemment. J'aime vraiment ça. Et dégâts. Ok, super. Genre là, avec ça, t'as combien? T'es à 58. Là, t'es à 77 déjà, 56, 53. Ouais, non, ça va. Decimated. Après, avec ça, ça lui rajoute de la protection, je vois un peu. On a 36 et 84. Bon, mais je crois qu'on a trouvé un truc intéressant avec un bandit tank. Bandit tank. C'est intéressant. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Alors ça. Oui, ça c'est la torche à 100 ou alors de l'or. Ah, on va faire un cercle du coup, donc on va pas revenir ici. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. 235. Donc ça peut-être que. Alors je vais sauvegarder. Enfin sauvegarder, je veux dire, je vais prendre un screenshot, sauvegarder l'équipe quoi en gros dans ma tête. Un screenshot car ça serait genre une bonne équipe d'exploration, j'ai envie de dire, peut-être. Ouais, attends, on a déjà une salle quoi. Camper déjà. A moment of respite, a chance to steel oneself against the coming horrors. On n'a pas besoin de PV en plus.
Léger. Alors. Ça. C'est bête qu'elle ait pas de buff en fait, elle. Elle a pas de truc pour se buffer elle-même. C'est con. Hein. La chance de repérage, oui. Je pense que ça lui manque en fait. Je trouve. Je trouve que ça manque au personnage. Voilà. Un compagnon... Ah oui, 20%. On a quoi? On a 5 points encore. Ah putain, à chaque fois je fais le mauvais clic. Pourquoi pas? Je me demande si j'aurais pas dû enlever ça. Enfin non, c'est 15. Il a eu 14. C'est parce que... Ouais, cric. Non. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il reste plus que 3. Allez, Mich, je mettrai plus de repérage. C'est quoi notre stade de repérage? Elle est où? Elle est pas là? Elle existe pas? Enfin, on peut pas voir. C'est surpris. Ah oui, non, c'est repérage. C'est pas la même chose. Cool. Bon, bah ça va. May we find victory. Ça c'est de l'argent. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. J'espère qu'on va pas avoir de surprise. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Merci. On doit aller là-bas ou pas? Curio. Avancer vers cette pièce. Pièce avec Curio. Normalement, ils vous disent hein, si c'est... Ouais, on va y aller quand même. C'est juste à côté. Il y a beaucoup de choses. Mais normalement, je crois qu'ils vous disent si c'est le... La quête. J'ai l'impression qu'on va pas avoir assez de torches. A time to perform beyond one's limits. Bien joué. A decisive pummeling. Tiens, ça va aider notre... Oh putain de merde.
La marque. Ça y est, lui maintenant, il voit plus rien. Il touche plus rien, il voit plus rien, magnifique. Non mais touche un peu quelque chose quand même, parce que là tu commences à me faire chier. Le problème c'est que le stress il descend pas parce qu'il touche rien. Voilà, fais des crits, fais quelque chose dans ta vie quoi. Ah, toujours pas, hein. Non, on va continuer de buffer là, l'esquive. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est pour avancer. Ça a le même icône en fait. Continue the onslaught. Destroy them all. Nightmarish creatures can be felled. They can be eaten. Oh mon dieu. J'ai même pas fait attention, j'ai directement checké le... Ah bref. Ok, pas mal. Pas mal. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Il faut qu'il arrête de louper, hein, par contre. Oh yes. A handsome reward. For a task well performed. On avait besoin de torches. Bon, c'est potable pour le moment. Comme équipe. C'est juste que... Oui, non, là... il a arrêté de toucher, en fait.
C'est ça le problème, c'est qu'il a arrêté de toucher pendant un moment, du coup il a stressé parce qu'il s'est fait avoir quelques fois. Mais sinon, non, ça va, c'est pas mal. Kiaran est plutôt est vraiment cool. A fortune waiting to be spent. Très bien. Allez, repérage, repérage, let's go. Objectif de quête, curio. Objectif de quête, ah bah ça va. On a bientôt fini. Non attends, là on a curio, objectif de quête. On peut enlever la, on peut enlever la, la pelle. Twisted faces of the damned, piled high and cloaked in malice. Putain de collecteur. Precision and power. Quelle merde. A singular strike. Ah merde. 13. Est-ce que tirer dessus c'est mieux ou pas? 5 à 9, 8 à 15, 9 à 15, ouais c'est pareil. Au moins ça le fera avancer. On peut pas le déplacer. Ah si, on peut le déplacer. Putain. Ça y est, ça commence. On n'esquive plus rien pour je sais pas quelle raison. Mais genre rien du tout, hein, c'est bien.
A devastating blow. Non mais toi tu commences à me gaver. Est-ce qu'on peut le... on peut l'infecter? Ok. Elle du coup elle va faire plus de dégâts. Ah on a du mal hein. Il esquive plus rien. Je sais pas pourquoi. À 30. T'aurais pu faire un critique, hein. Honnêtement, ça aurait été cool. Non. Précision 10. The ground quakes. C'est là qu'elle fait un critique, quoi. On est mal. Allez, une belle balle là, un critique, un truc, je sais pas, mais... on est mal là. Oh là là. Oh, très bien, très bien. T'as pas protégé le collecteur. Collecteur. Oh putain, les dégâts, mais une vatte. Aïe 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 aïe. Normalement, avec un couteau lancé, c'est bon. Alors va te fermer. C'est maintenant que tu fais un critique. Super.
Non mais c'est incroyable. Le jeu qui se moque de moi, quoi. Genre on était... on saignait. On avance, on est obligé de se prendre le saignement parce qu'on n'a pas de, de bandage. Et le jeu me propose un bandage. Alors là, non mais là... Là, il y a des... C'est la blague, là. Là, c'est la blague. Objet de quête. Ah, du coup, ça voudrait dire que il y a une chance qu'il n'y ait rien. Mais bon, avec ma chance... Non, ça va, il n'y a rien. Ah, oh, et après, sur le chemin, je crois. Objectif de quête... Ah, mais non, mais c'est le dernier. Ah! Let's go! Tokens of hope recovered from the encroaching dark. Bah c'est pas mal. On aurait pu faire honnêtement mieux, je pense. Pas eu de trucs négatifs. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, genre un peu plus long et tout, mais au final, voilà. En fait, honnêtement, tomber sur le collecteur, c'était... L'abbaye sera décorée. Alors, ne souffre plus de désespoir. Égoïsme. Violence. Ah, t'as eu les deux, très bien. Alors, l'abbaye est gratuite. Attendez. C'est quoi ça? Précision, protection et stress. Putain, mais c'est vachement bien. Ça aussi, c'est bien. Ça, c'est vachement bien aussi hein, pour le Vestal. Compétence de soins augmentée, stress moins. Ouais. Vous mettez ça plus un 30% ou je sais pas trop quoi là. Qu'est-ce qu'ils ont les Vestal? Vestal, 25%. Ou alors vous mettez le 30% avec le stress. Là. Ah bah oui, en fait, vous pouvez passer le stress. Compétence de soins 30% et stress 20. Là, ça fait que 10 au final. Bon après, oui, non, ça manquerait de protection et tout, quand même. Il est pas mal, cet anneau. Je voudrais bien le récupérer, mais long dans la tanière... Précision et protection, quoi, c'est ouf. Ouais. C'est long. Ouais. Enfin bref, bah du coup je valide, j'ai envie de dire, je valide quand même l'équipe, elle est bien, on est mal tombé parce qu'on est tombé sur le collecteur honnêtement, mais voilà c'est ça le problème quoi, c'est tout. Après c'était très potable, pas trop eu de problème avec le soin, je vois pas comment on pourrait l'améliorer, enfin si, on pourrait l'améliorer c'est ne pas utiliser peut-être l'antiquaire, putain. Enfin, quoi que non, en fait, l'esquive, on a besoin quand même. Je sais pas. Je trouve ça pas mal. Après, à la limite, Gwendoline, on pourrait peut-être la changer avec une Vestale, mais avec... Qu'est-ce qu'on mettrait, du coup? Genre des trucs pour l'avant, en fait. Genre les coups de masse. Coups de masse avec la main... Esquive moins 20. Ouais, en gros, c'est pas le jugement, quoi. Qu'elle serait en avant. C'est bête qu'il y ait que deux healers, en fait. Deux soigneurs dans ce jeu. De vrais soigneurs. Encore, occultiste, je dis pas vraiment que c'est un soigneur.
Ouais, c'est intéressant. Alors. Mais merde. The campaign can wait. For now, carnage calls. Yeah, trop bien. Même on a rien récupéré. On a récupéré de la de l'argent. Bon, on a quand même du monde à... avec le stress. Pourquoi ils sont pas dans l'ordre? C'est marrant ça. C'est marrant, ils sont pas dans l'ordre. Stress. What? Le jeu il est bugué ou quoi? Ah si, ils étaient dans l'ordre, mais visuellement il y avait un problème en fait. Des fois ça se met pas à jour. Ok. Alors fais voir. Tac. 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 Genre comme ça. Du coup il nous resterait qui là? Du coup, il faudrait faire un voyage, je sais pas où. On pourrait faire un niveau 1 pour augmenter des trucs. Et ouais, on peut faire un petit run. Genre faire un tout petit run, vu que ça c'est gratuit là, le stress. Un petit run de niveau 1, genre bas niveau. Et puis après, peut-être on teste le deuxième assaut du donjon. Je pense que ça peut fonctionner. PV max 20%, c'est sûr. Du coup, non. Il faut enlever ça. Absolument enlever ça. Comme ça. Dégâts PV max précision. Ok. Bon ben voilà, on a envoyé plein de gens se reposer. Ça nous fait pas mal d'argent. Économiser. On est nickel. Donc il nous faudrait des nouvelles personnes. Donc ça c'est vachement bien. Mais on n'a pas l'équipe. Ah, vous savez quoi, je vais faire une petite pause, je reviens. Je vais décider ce qu'on fait. On a un boss, on a toujours la sirène à faire. Précision écrite. On a toujours la sirène à faire, mais la sirène, donc c'est du vétéran. Il nous faudrait 4-4-3. Chevalier Gaël. La sirène, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Oh putain, il y a ça à enlever. Oh là là. La sirène, elle fait quoi? Je me rappelle plus du tout. Ah oui, elle charme quelqu'un. Donc, du coup, en fait, faudrait vraiment des DPS. Hein. Ouais, plein de DPS. Genre, ouais, le Dark, il pourrait faire partie des DPS. Des DPS intéressants. En plus, comme ça, il montera au niveau 5 et on pourra l'emmener au Dark Castle. Au Dark Castle.
Elle, on pourrait l'utiliser aussi. Elle mettrait de l'esquive sur tout le monde. Ça pourrait être utile. Donc il faut augmenter. Après, il y a, y a Gaël. Gaël est intéressant, mais Gaël, il y a plein de trucs à enlever. Il y a la mortalité, parce que c'est dangereux. Elle coûte à 55%. D'accord, super. Et ça, surtout, la courante. Esquive moins 20, PV max moins 10%. C'est magnifique. Du coup, on n'a pas de soins. Il y a lui. Il y a lui qui est potable. Et après... Ouais, il y a histoire de faire un niveau 1. Oh, dégâts contre les humains. Ouh, let's go. On va faire ça. Ok, je vais faire une pause, je reviens. Et je crois qu'on va... Je vais me préparer pour faire... Ça. On a 38k en plus de côté, donc on va pouvoir faire un truc potable, je pense. Je reviens tout de suite. Ok, on est de retour. Bah, du coup, j'ai pas fait mon équipe. Donc, on va essayer de faire ça, récupérer ça, là, dégâts 25 contre les humains. C'est vraiment cool. Donc, derrière toutes les pièces de combat, long. Ah putain, ça c'est. Terminer les pièces de combat, c'est une catastrophe. Mais bon, après, c'est du niveau 1, donc bon. Alors, fais voir. C'est quoi, toi? C'est l'abomination. L'abomination, je sais pas... Enfin, l'abomination, ça a l'air ok. Ah, oh, des dégâts en moins si on a de la lumière, quoi. Bordel de merde. Après, on a le chien, on a le... On a de quoi faire une équipe, je pense, mais... Oiseau de nuit. Force mortelle, oiseau de nuit. Oh, faut que je réfléchisse à une équipe. J'aurais dû le faire avant. Toi, j'aime pas trop ce que tu apportes. Alors, le seul truc intéressant, ce serait genre l'infection sur deux personnes. Ça, c'est pas mal. Nous, on va où? On va à la tanière. En plus, il y a une chose des étoiles. La tanière, c'est... je me rappelle plus. C'est les cochons, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça, les cochons. Ouais, le Warren. Donc, les cochons. Les cochons, ils font quoi? Ils font... infection, surtout. Il y en a qui font un peu de saignement aussi. Moins. Genre, il y a le chien. Il est bien... Ah, bien contre les bêtes. Les cochons, c'est les bêtes. C'est des bêtes et humains. Il y en a des humains aussi. Mais ça, c'est pas mal, du coup. Toi, tu peux jouer au fils de tank, non? Toi, tu tires. Après, il y a un bouffon, mais je suis pas fan, en fait. Enfin, après, pour un long run, ça peut aider. Alors, fais voir. Ignore la garde. Saignement sur deux cibles. Alors, mêlée finale. Donc recul 3. Stress 100%. Ah, c'est ça le final. Tout ce qu'il fait, il se buff pour le final. Et après, il fait une attaque. Là, c'est avancé sur tout le monde. Marque sur soi. Marque la cible. Esquive. Ah, ok. Donc ça serait la fin. Ok. Balade guerrière. Comment on le joue, du coup, lui? Genre, comment je pourrais le jouer? Genre, ça pour le stress?
Alors du coup on le met en arrière. Imaginons on le met en arrière. Donc ça pour le stress. Vitesse, précision et critique, ça c'est pour les dégâts quoi. Il n'y a pas d'esquive en fait, il n'y a pas de buff défensif. Après ce qu'on peut faire avec lui c'est que... On peut faire ça, il se marque, il a plein d'esquives. Puis il fait ça pour faire un gros dégât, c'est ça? Et là, il saigne. Du coup, faudrait le jouer en 3. Genre, comme ça a l'air intéressant, peut-être. Genre, réduction de stress. Après, il y a ça. Il attaque et il fait du saignement. Puis après... Ah, non, si, il peut. En 3. Genre, il avance. Esquive. Dégâts final, dégâts critiques, machin, blablabla. Et puis après, il fait final. Ça peut être une solution, ça peut être un système, mais bon, je suis pas fan. Honnêtement, je préfère elle. Je crois que c'est plus consistant, en fait. Puis en plus, elle peut aider avec le soin. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je crois que c'est plus consistant. Oh, j'ai envie de tester maintenant. Alors après, pour camper, tous les compagnons stressent moins. Un compagnon précision et critique. Tous les compagnons stressent moins, un compagnon stress plus, moquerie. Là c'est quoi, un compagnon stress moins, si affliction stress encore moins. De l'embuscade. Parce que le stress est un problème hein, dans les longs trucs, donc pourquoi pas. Uniquement sur soi, empêche les ah oui, il nous faut ça, la garde canine. Change de repérage, 4, 8. Change de repérage avec la garde canine, 8. Toi t'as quoi comme un truc intéressant? Uniquement sur soi, change d'infliger une infection. Résistant, marque impossible. Ah, c'est sympa ça, marque impossible. Marrant, ça. Alors, protection et PV max. Perceur d'armure. Ouh, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est la nouvelle classe. Je la connais pas vraiment bien. Faudra enlever ça, évidemment. On va peut-être en profiter avec la nouvelle. Je pense qu'on va peut-être jouer comme ça. Allez, on va peut-être jouer comme ça. Donc, maintenant, on va choisir. Je connais pas vraiment. Là, on choisit des trucs que je connais vraiment pas. Genre la nouvelle classe, la nouvelle classe, le chien et le bouffon, je connais pas du tout. Donc ça va être compliqué pour moi. Est-ce que final fait plus de dégâts avec la marque? Non. Non. Alors, ça. Alors avancer sur soi, deux absorptions. Je sais pas ce que c'est. Ça, infection, 3 par tour, dégâts contre la marque, okay. Ça, exposé, mêlé, ignore la furtivité, ça c'est quoi, ça touche tout le monde, empalé, intéressant, après on a quoi? 3 points. Ça c'est sûr en deuxième, donc on peut pas l'utiliser. Le baiser de la vipère, on peut l'utiliser. Ça c'est quoi? Avancer. Ignore la garde. Destruction de garde. Garde ineffective. De base 500%. Traction. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, perçage d'armure. Transperce. Ok. Ouais, y a des trucs intéressants quoi. Alors ça on enlève.
Ah, toi, tu peux toucher en fait plein d'endroits, c'est intéressant. Ok, je pense que comme ça, ça peut être bien. Pour le chien. Le chien, tu joues en 2, donc on peut peut-être garder l'étourdissement. Ça nous ferait de l'étourdissement, du coup. Ça, c'est pour marquer. Protéger un allié, est-ce qu'on en a besoin? J'en sais rien. Toi, tu peux marquer. Et après, là, on a du saignement, du final et tout ça. Ok. On peut faire la balade guerrière aussi. Vitesse, précision et crit. Est-ce qu'on aura besoin? Je pense pas. Bon. Allez, on a un truc. On a un truc. C'est niveau 1, ça devrait pas être trop difficile. Ok. Ah oui, non, non, attends, c'est pas fini. Protection et PV max, ça, ça a l'air pas mal. J'avais vu, oui, ça, l'embuscade. Le repérage aussi, je pense. Remonter le temps. Ok, alors ça, ça. Voilà, les 4 skills, ils sont vachement bien. La plupart du temps, c'est toujours les 4 skills en fait. Les 3 premiers, c'est toujours. Enfin, tout le monde les a. Mais au final, c'est pas vraiment très utile. T'es qui toi? Non, mais toi, t'es pas avec moi. Tu fais pas partie de l'équipe, toi, casse-toi. Alors. En plus, là, on a une bonne mission, c'est de récupérer cet anneau qu'on connaît pas, quoi. Et bon, lui, il me fait chier parce qu'il a. Non, c'est qui a de dégâts moins? Non, c'est. Ouais, c'est Anubis, là, qui a. Ça, mais bon, on va se débrouiller avec. Alors, notre bouffon, il nous faudrait. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, stress, hiteur supérieur. Compétence de stress, plus 20. Donc, ça, il va déstresser encore plus. Si je comprends bien. Donc, ça, c'est bien. Cinq de truc de base, bien. Toi, esquive, PV, vitesse. Esquive, précision. Ouais, pas mal. Après le chien. Esquive et dégâts en moins. Non, ça c'est pas intéressant. Alors change de repérage plus 20 si torche inférieure à 51. Change de désarmer un piège plus 1%. Non, c'est pas vraiment bien ça. Toi, qu'est-ce qu'on a de spécial pour toi? Strictement rien. D'accord. Alors, compétence critique de dégâts. Pour le chien, qu'est-ce qu'on lui met au chien? Compétence de soins. Après, en théorie, ça devrait bien se passer pour le stress, donc on peut quand même mettre des choses stress. On a des dégâts contre les bêtes et les humains. Alors, bêtes et humains, fais voir. Dégâts contre les bêtes. Ouais, mais du coup, on perd de l'esquive. Critique et dégâts. Esquive. Dégâts et précision.
J'ai pas envie de me taper en fait de l'esquive en moins à ce niveau-là, quoi. Enfin, en bas niveau, parce qu'en bas niveau, pas avoir d'esquive, c'est un peu chaud. Parce que leur précision est pas très élevée. Donc je pense qu'on s'en sort bien en fait, en esquivant. Donc ça c'est pas mal. Là. On aurait plus 10 et un peu de protection. Là on a du crit et du dégât, là de la vitesse et de l'esquive. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air potable. Je sens que je vais regretter toute ma vie. Allez, vas-y. En plus, on doit faire toutes les pièces de combat, quoi. Pour les créatures, les bêtes, enfin l'endroit où on va, y a, c'est surtout de la mixture d'herbe. Hein. Voilà. Ça aide bien. Antidote pas trop. Ça en prend 4. Ça oui aussi. Ça fait beaucoup de choses en plus. Parce qu'on a les biscuits pour chien. Je pense qu'on est bon. Parti. Après c'est du niveau, hein. Comme j'ai dit niveau 1, en théorie quand on a des babioles vraiment très haut niveau, enfin bas, oui non si très haut niveau, on est en théorie c'est vachement bien. They breed quickly down there in the dark, but perhaps we can slay them even faster. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour repartir là? 70, 90. Le brise-bouclier, là, il a des trucs intéressants. Des habilités pour dormir, là, très très intéressant. Genre HP en plus, des protections en plus. Ça a l'air vraiment intéressant. Bien joué. Ok, c'est parti. Alors. The ground quakes. Alors, stress en moins. Allez, c'est vrai que là, du coup, c'est pas vraiment très intéressant. En dernier. Alors là, on fait quoi? Comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. Pas mal. Ça. C'est qui faisait plus de dégâts? C'est le chien, je crois. L'attaque du chien. On peut... Bah, intéressant, là, ce qu'on a. Pas intéressant. Je sais pas ce que ça fait, ça. Wow, c'est quoi? Absorption de dégâts. Les objets d'absorption de dégâts, également appelés objets d'agide. D'égide, pardon. Absorbe 100% des dégâts physiques de la prochaine attaque qui touchera le héros.
Ok. Ah. Mais la question c'est, est-ce qu'il absorbe automatiquement parce que... Parce qu'il l'a activé, ou est-ce qu'on peut quand même esquiver les attaques? Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Action. Ça c'est pour infecter. Ça, ce serait final. Oh mon dieu, ça reste tout le combat? Ça, je savais pas ça. Well struck. Je pensais que ça restait quelques tours, pas tout le combat. Great is the weapon that cuts on its own. Continue the onslaught. Destroy them all. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ouais. Je suis un peu confus en fait de comment je suis censé jouer. Attends, par contre lui il peut faire que ça quand en bas. Si j'inverse, toi tu peux jouer, ouais, mais t'auras pas la dague. L'attraction tu l'as. Donc le mieux, ça serait comme ça, en fait. Parce que là, au moins, il peut faire le saignement. Et la balade guerrière à la place de quelque chose, peut-être? J'en sais rien. Vitesse et précision. Ou alors on joue pas final en fait. Peut-être qu'on joue pas final, parce que final c'est un peu dangereux. On dort ici, non. On va faire ça. D'accord, super. Mechanical hazards possessed by evil intent. Devrait avoir de la nourriture, yes. Putain, il y en a beaucoup. Vache. Bon, j'aime bien l'équipe là. Elle est intéressante. Mais on peut camper deux fois ici. Mais c'est tout petit. Ah, c'est quoi ça déjà? Ça enlève des trucs négatifs. Parfait. Voilà. Bon après c'est peut-être parce que c'est bas niveau aussi que ça se passe bien, du coup c'est sympa. Mais ouais, on peut agir sur quasiment toute la lignée en fait, facilement. Et on peut danser aussi facilement. Ça c'est l'absorption et ça nous fait avancer. Et ça c'est l'attaque et ça nous fait avancer. Ça fait combien? 6 à 12.
3, 6. The blood quickens. Pas mal. Après, je suis sûr qu'avant, il réduisait directement le stress, non? Parce que maintenant, il réduit pas le stress. Il fait moins 13 pour... C'est pas pareil. Hein. Ah si, il réduit le stress. Ça, je comprends. Hein. Mais c'était pas des AOE avant. Je sais pas. Faudrait que j'aille regarder s'ils l'ont modifié ou pas. Je sais qu'il y a eu des trucs qui ont été nerfés ou buffés. Sur certaines classes, j'avais vu ça. Tu vois un peu comment ça marche là? Ah, en fait, en gros, il glisse. Il glisse sur ses genoux et tout. Ça, c'est classe. Mais par contre, c'est vachement bien, ça, quand même, pour tanker. Marc, esquive plus 22. Ça dure un combat ou un tour? 3 tours. C'est vachement bien. Oh, garde ineffective. Ok, cool. Inefficace. Ah, c'est vachement bien. Un peu une équipe bizarre, mais... Merde. Press this advantage. Give them no quarter. Ouais, très très bizarre l'équipe. Mais j'aime bien. On va faire un combat et après on fera toutes ces salles là. Ouais, en plus il y a pas mal de trucs là. On va faire, pardon, on va camper une fois. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Très intéressant ce groupe, j'aime bien. Alors, repérage, uniquement sur soi, donc surpris, empêche les embuscades. Je dois me reposer, ma grande, peut-être que je devrais rester à l'affût cette nuit. Après, on a le repérage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, t'as le buff de dégâts. Dégâts 20%. Surtout le chien. Non, sur lui. On a encore 6. On peut faire du repérage. Alors, augmenter les infections. Marque impossible. Perçage d'armure plus 15% pour tout le monde. Protection et PV max. Je me renforce et je ferai le nécessaire. Très intéressant. Un compagnon précision et critique. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Ou alors tout le monde... C'est quoi ça? Tous les compagnons percerges d'armure. Bof.
N'abandonne pas tes rêves, c'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné. Eh ben j'aime beaucoup ça. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Il y en a du combat là. Joli. Cible facile. Protection plus 15, un tour. Confidence surges as the enemy crumbles. Ow. Faut que je remette les habilités dans l'ordre, avec les sons sur le même côté et tout. C'est pas mal le chien en deuxième. Il a les attaques de près et les attaques de loin. Vraiment cool. Avancer 2, ignore la garde. Pour très vite, tu t'accueilles. As victories mount, so too will resistance. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Ça, c'est que de l'eau bénite. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Ah oui, un truc que je voulais faire, c'est ça. Donc on a le buff. Et l'infection. Après, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on ferait de l'une et de l'autre? Là, ça perce la garde, c'est l'attaque de base, quoi. Ça, c'est pour destruction de garde. D'accord, donc on le fait quand il y a des trucs qui ont de la garde, quoi. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est ça, c'est empaler, comme ça on touche tout le monde, mais. Puis il y a de la traction aussi, donc on bouge les gens. On va voir ça. On recule et on avance en fait. Okay.
Petites araignées. Mais ça fait des dégâts ça ou pas? Bah oui. Non. Oh merde, ouais, du coup je suis plus premier. Be gone, fiend. Je pense que le bouffon peut être un très très bon tank. Hein. Genre un tank esquive. Ça peut être super intéressant. Alors fais voir ça. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Très très bien. Ça non, touche pas. Trop dangereux. A handsome reward for a task well performed. Ah, les donjons longs bas niveau, honnêtement, c'est magnifique, hein, c'est super fun. Oups, le piège. C'était qui déjà? C'était le chien. Là aussi on a une équipe qui est pas mal, j'aime bien. Surtout ici en fait avec des bêtes partout là. Ne mets pas de maladie, s'il te plaît. Hein. Ça va, les machins, ils ont précision plus 50 000 apparemment. Ah, je peux pas faire ça, l'assaut. Ouais, parce que je me suis mis devant, du coup. Là, on peut faire du soin. Ah, j'aime bien. Ah, c'est marrant quand on joue à des... Genre des... Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Des... classes qu'on connaît. Genre, pas du tout et que ça marche bien. Mais encore une fois, voilà. Je le répète, c'est parce que c'est du bas niveau. Hein. Mais ouais. J'aime bien le système de bouger un peu à droite à gauche. Wow.
Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Alors, là, il faut des flammes. Précision contre les infections. Ouais, précision contre les infections, ça c'est chiant ça. Très bien. Ah, on va avoir un super super anneau, je suis content. Je vais passer le chien comme ça. Très bien. Il y a juste pas de buff d'esquive en fait. Donc est-ce qu'on pourrait prendre une antiquaire dans le groupe? Mais du coup on l'échange avec qui hein? Lui est vraiment cool en fait de pouvoir tanker. Il a 57 de base quand même. Enfin, pas de base mais avec, avec le buff. Merde. Ah mais je pouvais me mettre tout derrière quand même. A trifling victory, but a victory nonetheless. Attends, par contre, t'as rien du tout quand t'es en premier. Tu peux faire du poignard. Ou alors on reprend ça. Non, coup de poignard. Ah merde, on a plus de clé. What? On en a jamais eu, c'est ça? Merde. Alors... Très bien. Ringing ears, blurred vision, the end approaches. Aïe aïe aïe. Je déteste. Je déteste ces machins. Les pires au monde. Incroyable. Ah ouais.
C'est les pires au monde, c'est... Le pire, c'est en haut niveau. Ils font... je sais pas combien de dégâts c'est, mais c'est genre peut-être 3 ou 4, peut-être 6 par dot là. Et quand ils sont à plusieurs à taper, ça monte tellement vite, c'est n'importe quoi. Tanker lui du coup. Masterfully executed. C'est l'autre qu'il fallait. Critique. Hop là. J'aime bien parce que, ouais, c'est comme si l'équipe danse en fait. L'équipe entière danse, ça avance, ça recule. C'est marrant. Par contre, faudrait un truc pour reculer. Il n'a pas quelque chose qui recule, lui. Ah oui, non, mais il y a ça. Parce qu'en fait, du coup, j'arrête pas de faire la même chose. Et du coup, c'est pas bon. Je peux plus faire de musique, rien. Their cursed champion falls. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ouais. Ouais, y a plein de techniques, hein. Relou. Attends, je suis où? Je suis là. Ah bah merde, je suis obligé d'aller par là. Oh là là. Non. Pardon. Mauvaise touche. Ah mais du coup on peut camper. Circle in the dark. The battle may yet be won. Mais bon. J'avoue que les niveaux 1, même les longs, sont très très bas. Hein. Toujours le même rêve terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Sand and serpent choke out hope of wholesome reverie. What the fuck? Un passé stressant. Le brise-bouclier est hanté par les traumatismes de son passé. Elle doit faire face à 7 combats qu'elle hallucine en campant. Un combat par campement. Une fois ces combats terminés, elle dort en paix définitivement. Note, les 7 souvenirs sont partagés entre tous les héros de classe brise-bouclier. Il n'est pas nécessaire de terminer les 7 combats pour chaque recrue. Ah, c'est bien ça. Oh mon dieu. Ah, c'est marrant, ils ont fait comme une sorte de souvenir.
Pliskin. Crotal. Putain de merde. T'as la riposte activée, toi. Ils sont méga rapides. Oui, non, mais d'accord, vitesse 9. Putain de merde. A brilliant confluence of skill and purpose. Bon, ça peut saigner. Ah, enlève le poison, bordel. Pas de musique, rien. Morsure de serpent. A decisive pummeling. Ok, très bien. Ah mon dieu, le saignement, bordel. Tellement pas l'habitude à chaque fois de d'utiliser les objets, même après autant d'heures de jeu. Ah ah. Mais c'est 20 stress. Ah ben putain. C'est peut-être un peu exagéré quand même. Sur 7. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ah, il a dit la phrase. Ah, ils disent que je suis une belle chose, aussi parfaite que la mer de dune, aussi élégante que le vent du désert, aussi captivante qu'un mirage chatoyant. Il me fixe, m'observe et me dévisage sans sourciller. On devrait les récupérer, ça, ou pas? Alors, on va peut-être le récupérer. Donc, chance d'infliger une infection, plus 30% résistance à l'infection. Ok. Ah, du coup, c'est un peu relou, parce que on fait un combat, mais... on campe, on dort et... Oh ! La chose est meurtrière et sans pitié, mais possède des trésors introuvables ailleurs. De plus, ceux qui survivent à son terrible assaut peuvent obtenir des attributs uniques. N'oubliez pas, le repli est toujours une option valide. Non, mais non... Bah maintenant ça explique pourquoi il y avait deux cases côte à côte, j'imagine. Oh mon dieu, putain.
J'aime bien qu'ils vous disent le repli est toujours une solution. Hein. Rappelez-vous que vous avez toujours la touche repli. Aïe aïe aïe. Allez go. Et on se concentre. Elle a une sale gueule. Hein. Non. Vache. Oh non, faut les détruire ça je crois. Eh, hey, t'as crit quête. Stress moins 33%. Crit plus 3, quête. Ah, c'est parce qu'on vient de tuer son truc, j'imagine. Another abomination cleansed from our lands. Est-ce qu'on peut le stun? Yes. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir les buffs? Bon. On peut le faire saigner parce que oui voilà, il a pas de vraiment une très grosse résistance. Je me demande si on peut pas faire l'AOE là. On va continuer à booster tout le monde. Ah tiens, attends. Il a quoi ? Quête. Pour l'instant, ça va. Je vais voir là-haut. 3 à 5. Oui, non, ça tuera pas en fait. Ah, les absorptions, elles restent tout le temps en fait. Ça, c'est intéressant ça. Il va falloir baisser le stress un peu. C'est vachement bien ce guerrier là.
maintenant il a plein de défense et tout, vitesse, dégâts augmentés. Oui. Ouais, il va vraiment plus vite maintenant. Alors, perçage d'armure, mais ouais, mais il faut taper ça, quoi, putain. Faudrait essayer de voir avec le chien si on peut pas casser le cristal. Ah bah bravo. Mais le chien, je sais pas s'il peut le casser en fait. C'est ça le problème. Infection. Si ça 12. Te loupe pas le kleps. Concentration. No. There can be no hope in this hell. No hope at all. No. Ok. Yes. En plus, il récupère de la vie. Normalement, on devrait pouvoir le tuer là, non? 10 points de dé. Ah, mais il a perdu des PV? Genre à chaque fois qu'il fait une coquille, en fait, il perd des PV? 2, super. Let's go! Destroyed and sundered. Its particles scattered to the wind. Alors... Ah tiens, on a eu ça. On l'avait pas, je crois? Je sais pas. Et on a eu des éclats de comètes. Quel bordel. The light, the promise of safety. Eh ben. Pas le dernier combat en plus, hein. Faut baisser le stress du... lui là. Très bien. Esquive pas surtout, hein. Honnêtement. Pourquoi esquiver? Ça servira à quoi? Il n'y a pas de remède à la corruption de l'esprit. Aïe.
Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Putain, un run qui devait... Oh là là. Ouais, 4. Un run qui devait se passer, genre, sans problème et tout. Dans ces combats, aucune différence. Genre combat sans accro, enfin run sans accro. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Alors, putain, deux combats, bordel de merde. Pourquoi deux? De jeu quoi. Match is struck. A blazing star is born. Attends. J'ai autant utiliser toute notre nourriture. On utilisera le... Comment ça s'appelle? Le biscuit pour le dernier combat. Annihilated. Très bien. Très bien. Inspiration and improvement. C'est bête que le saignement est très très bas. Hein. Amy, c'est que ça le problème. Après, j'imagine que ça serait un tout petit peu pété si... si le saignement, c'était genre 3-4. Hop, on repasse devant. Ou alors, on peut même faire ça. Tiens, je vais... C'est quoi ça? C'est une... Non, c'est juste une salle de combat, en fait. Bah, il y a peut-être un coffre. Peut-être un coffre. On va garder un... Une eau bénite, si jamais il y a un truc à un terme, ça m'étonnerait. Pas strictement rien. Dazed, reeling, oh non. Ennui, en plus... non, ennui, c'est la vertu, je crois. Moins 25%. Ou alors le stress. Je crois que c'est la vertu.
Je vois pas à quoi ça sert en fait cette attaque. Enfin, non, cette attaque, je comprends à quoi elle sert, mais. Je vois pas pourquoi on l'a fait sur d'autres personnes. Près de base. Quoi ? Précision de base. Mais ça fait pas de dégâts. Dégâts moins 100%. Ah, peut-être après ça ferait un peu de dégâts ? Bizarre. Ça doit sûrement faire des dégâts après. Je dirais à la limite. Parce que sinon il ferait comme quoi il peut le faire sur lui-même en fait, tout simplement. J'aurais dû le taper, le stun. Bon ben voilà. Eh ben. Ah putain, j'ai oublié d'utiliser le biscuit en plus. Ça coûte combien le biscuit ? Non, ça le dit pas. Pardon. Bon, on avait une équipe assez intéressante, j'aime bien. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Ouais, on a une équipe assez intéressante. J'aime beaucoup. Maintenant, on a un anneau anti-humain aussi, ça, je suis content. T'en as eu deux ? Un héros par liste de recrues. Résistance au malus plus 25%. Un des bêtes. Ah, il en a eu deux. Il y en a eu un spécial, unique. Là. A fresh irritant to some. A sanguine mental. Alors. Se perd dans la douleur d'arrêt. Oh putain, oui, d'accord. Il est en train de se flageller. Alors, attirer la méditation, force résistée. Quoi ? Attirer de la méditation, remplace maître des armures. Il a équilibre maintenant. Plus de syphilis, et toi, plus de trucs aussi. Ok, c'est très bien. Waouh, super. Donc, il n'y a plus beaucoup de stress, c'est bien. Donc, un héros par liste de recrues. Résistance ou malus plus 25%. Eh ben, j'aime bien. On va devoir s'arrêter là. J'aime beaucoup le machin, là. C'est assez spécial à jouer. J'ai l'impression que c'est un peu fragile, mais je suis pas sûr. C'est une sorte de DPS, mais qui bouge un peu.
Lui, il a des bonnes... des choses assez intéressantes, genre AOE. C'est un peu comme... Par contre, à la limite, je préférais lui en AOE, parce que là, bon, ça touche tout le monde, mais au moins, il n'y a pas de contrepartie. Parce que les furies, si j'en trouve une, il est où Gwendo... Ornstein. Ça, c'est sympa aussi. Mais dégâts moins, vitesse moins, quoi, à chaque fois. Donc, c'est un peu relou à utiliser, je trouve. Alors que là, c'est plus sympa. Après, les infections et tout, c'est intéressant aussi. Non, non, on a des... Et puis en plus, on peut taper un peu partout, quoi. Genre transpercer, ça tape sur les quatre parties. Non, non, c'est vachement intéressant. Vachement, vachement intéressant. Le chien aussi, honnêtement, le chien aussi, c'est sympathique. Je suis d'accord que c'est sympathique. J'avoue. Surtout en 2, je dirais. Le chien en 2, c'est bien. Parce qu'il peut stun 1, 2, 3. Et il peut toujours taper sur les 4, en fait. Et puis après, on met un autre truc. Donc ça peut être le soin, le protéger un allié, le stress ou marquer. Et lui aussi, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah, on peut pas voir, merde. On va voir en fait si ça fait des dégâts après. Ah. Au frais, dans les tunnels. Encore un anneau à récupérer si on veut. Ah mais ça c'est vétéran. Ah oui, et du coup on a eu des cristaux en plus. Ils sont où les cristaux? Ah oui, mais ils sont... Merde, je suis con. Ils sont là à 62. Okay. Ah bah c'est bien en fait, 62, on... Ouais. Enfin, je sais... Non, mais c'est pas les mêmes. 62 cristaux utilisés pour certains... Ah oui, mais on peut acheter des... Oui, j'avais oublié. J'avais un peu oublié ça aussi. Mais apparemment, il y a des objets vachement bien, genre... Oh putain, ça rame. Réussissement au saignement, précision 15, vitesse 2, critique 8, VS 16, saignement. Oh. Et après il y a ça, esquive 10, renvoie les dégâts 30%, ça c'est complètement nouveau je pense qui est venu avec le DLC. Réussissement aux étourdissements, uniquement pour l'homme d'armes, c'est vachement intéressant. Il y a vraiment des trucs sympas, faudra que je regarde. Bon, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je crois que je vais m'équiper. Et la prochaine fois, on va faire le deuxième assaut sur le Darkest Dungeon, le donjon ténébreux. Faut que je me documente un peu comment ça se passe et on verra. Je sais qu'il faut les torches en tout cas, sur 3 des persos au moins. Enfin, de toute façon, on n'en a que 3. Et après, il faut protéger le quatrième. Donc je pense qu'on va prendre Vanguard et il va protéger le quatrième qui n'aura pas la torche. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.